sous-tend qu'il y a un don dans l'esprit des gens. Qui dit médium sous-tend qu'il communiquerait avec des entités. Bref, je suis assez mal à l'aise avec cette identité. Hein. Je crois que ça, c'est pas nouveau et beaucoup l'ont remarqué. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi consultant intuitif. C'est pour donner, on va dire, une touche peut-être un peu plus moderne, actuelle, peut-être un peu plus tangible. Voilà. Bon, maintenant, tout ça, ça ne sont que des mots. Hein, ça ne sont que des mots. Au fond, je suis tarologue. Mais là encore, tarologue, le souci avec tout ça, c'est que tarologue, dans l'esprit du grand public, c'est la même chose que cartomancien. C'est un type qui lit des cartes. Donc, sous-entendu, qui n'a pas de don. Ça peut s'apprendre. Alors, avec l'histoire du don, très clairement, je n'ai jamais revendiqué le fait d'avoir un don. Hein. Il arrive que certains consultants écrivent que j'en ai un. Bon, c'est plutôt sympathique à entendre. Très sincèrement, je ne saurais pas répondre à la question est-ce que j'ai un don ou pas. Moi, je dirais plutôt non. Je parlerais plutôt d'une grande intuition. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, qui a été cultivée depuis mon plus jeune âge, et donc forcément qui s'est renforcée. De disposition, sûrement. Mais pas de don. Le don, pour moi, c'est pas ça. Donc, dans mon identité, effectivement, je suis avant tout tarologue, parce que c'est mon outil de prédilection, même si j'ai survolé à peu près tous les outils divinatoires qui existent. Mais oui, c'est dans l'appellation tarologue que je me reconnais le mieux. Mais tarologue, vraiment dans le sens où le définit, par exemple, Jodorowsky. C'est-à-dire, tarologue, pas celui qui lit les tarots dans une dynamique seulement divinatoire, mais tarologue, dans l'esprit de Jodo, ça implique thérapeute. Et là, je me reconnais pleinement là-dedans. Mon approche du tarot, elle a été évidemment au début motivée par une quête divinatoire. Hein. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas, on va dire, dans l'univers de la divination et de la voyance lorsque j'avais une petite dizaine d'années. Ma question, c'était évidemment ma question d'enfant. C'était, peut-on prévoir l'avenir? C'est super excitant comme question. Je crois que tout le monde se la pose un jour. Et je pensais rapidement trouver une réponse à cette question-là. Et il s'avère que 20 ans plus tard, j'avais toujours pas vraiment une réponse très précise à ça. Et donc forcément, j'ai survolé une multitude d'arts divinatoires, y compris l'astrologie, et pour finir quand même assez rapidement par me poser et m'arrêter au tarot. Donc, mais alors, mes débuts, donc dans la découverte du monde de la voyance, hein, ils ont été vraiment dictés par de la curiosité, et encore une fois une curiosité d'enfant et d'adolescent, avec cette grande question, toutes ces questions métaphysiques qui m'animaient déjà à l'époque. J'ai embrassé une multitude d'autres carrières dans ma vie professionnelle, hein, et notamment celle d'infirmier vétérinaire, qui est ma première fonction, on va dire. Et puis, partout où je suis passé par la suite dans les entreprises, j'ai constaté que finalement, on venait régulièrement me demander mon avis. Les gens qui travaillaient avec moi, qui avaient des tourments, comme tout le monde peut en avoir, venaient me demander mon avis. Et c'était vraiment très, très récurrent. Donc, j'ai assez vite compris que, où que j'aille, tout naturellement, les gens se sentaient assez à l'aise pour se confier et avoir mon ressenti sur comment allait évoluer leur problématique. Et j'ai longtemps tardé par manque d'assurance, de confiance en soi, d'estime de soi. J'ai longtemps tardé à m'installer, on va dire, officiellement comme professionnel de la voyance, même si le mot, j'avais du mal avec. J'ai toujours un petit peu de mal, ça s'entend. Et finalement, ce sont les gens avec qui j'ai travaillé le tarot qui ont fini par me dire, quand je poussais leur porte pour prendre des cours, qu'il serait peut-être temps qu'à mon tour, je donne des cours, parce qu'ils n'avaient plus rien à m'apprendre. Et notamment Marcel Picard. C'est vraiment lui qui a, je pense, été le déclencheur.
Et puis, voilà, à un moment donné, il y a 20 ans de cela maintenant, j'ai décidé de m'installer. Alors, d'une façon générale, oui, c'est vrai que le monde de la voyance a beaucoup évolué. Je sens que depuis peut-être 5 ou 10 ans, de plus en plus de gens viennent chercher autre chose que de la prédiction dans un cabinet de voyance. Ça me paraît assez nouveau. Ils viennent chercher, déjà certains ne viennent que pour parler, hein. Et là, on est au confluent de la psychanalyse ou de l'approche de l'écoute psychologique, en tout cas. Les gens viennent parler, se confier, profiter de l'expérience ou de l'intuition de quelqu'un, mais de moins en moins, en tout cas, les gens qui viennent me voir attendent de moins en moins des réponses précises sur ce qu'il va leur arriver. Alors ça, il y en a toujours, hein. Je crois qu'il y en aura toujours d'ailleurs. Il y aura toujours du monde pour, il y aura toujours une clientèle, je pense, pour Madame Irma, que je caricature un peu, hein. Mais par contre, il y a une nouvelle clientèle qui émerge, qui est en quête d'autre chose, donc plutôt d'écoute, d'approche intuitive, avec une part de rationalité. De tangible, d'où ma mutation vers l'intitulé consultant intuitif. Ça, c'est là où ça se rejoint. Alors, il est vrai aussi que de par ma pratique, forcément, je draine pas forcément la clientèle on va dire, de quelqu'un qui s'afficherait comme voyant, ayant un don de voyance, puisque au contraire, je dis plutôt que je ne suis plus voyant. Hein, je l'ai même écrit il y a longtemps. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que les gens qui me consultent, lorsqu'ils sortent satisfaits d'ici, ce qui arrive quand même le plus souvent, et communiquent mon adresse à quelqu'un, sont souvent en difficulté pour me définir. C'est-à-dire, c'est un va voir Laurent Edouard, il va pouvoir t'aider. Ok, c'est qui ce mec-là? C'est un voyant? Ouais, mais pas vraiment. Mais il tire les cartes? Oui, il tire les cartes, mais tu verras, c'est pas vraiment un voyant. Et donc on sent qu'il y a un flou que j'ai entretenu malgré moi, hein, très clairement, je pense par manque finalement de subtilité dans ma communication. Il est clair que je me suis certainement pris les pieds dans le tapis plus d'une fois. Et du coup, ben, il y a cette spécificité qui fait que je suis un petit peu en dehors des autres voyants. Alors, pas mieux, hein, pas au-dessus, mais vraiment clairement différent. Ça, c'est ce qui se dit et ce qui s'écrit, je dirais, un petit peu partout sur Internet, hein. C'est une approche qui est atypique. Mon outil, c'est effectivement le tarot de Marseille, qui, faut bien le comprendre, n'est pas un jeu bien défini, mais un canon graphique qui a été décliné au fil des siècles. Dans une multitude d'exemplaires différents. Déjà, le tarot de Marseille n'est pas certainement pas né à Marseille, comme son nom pourrait le laisser penser, puisque le plus vieil exemplaire que l'on connaisse est apparu à Paris. Donc déjà, le plus vieux tarot de Marseille connu, en tout cas, est parisien, et date de 1650, et c'est donc le tarot de Jean Noblet. Maintenant, évidemment, il y a 30 ou 40 ans, j'ai du mal à assimiler le fait que j'ai 52 ans. Quand j'étais gamin, on n'avait guère le choix, hein. On avait l'ancien tarot de Marseille, des éditions Grimaud, que tout le monde connaît, qui était utilisé dans tous les ouvrages pour illustrer les manuels de tarologie. Donc ça, c'était le jeu de Paul Marteau, qui finalement n'est pas si ancien que ça, puisqu'il date de 1930. Donc pour moi, c'est un ancien tarot de Marseille tout à fait récent. Les vieux tarots de Marseille du 17e, 18e siècle, dont j'ai à peu près toute la collection, sont en fait ont en commun un canon graphique. Donc, c'est-à-dire finalement, on reconnaît bien le battleur, la papesse, l'impératrice. On voit bien que les motifs sont globalement les mêmes, avec des variantes, soit dans la couleur, soit dans les détails. Et ce qui est important pour que ce soit vraiment un tarot de Marseille, c'est l'ordre des cartes, et notamment des atouts ou arcanes majeures, si on veut employer une appellation ésotérique, qui sont numérotés de 1 à 21, dans un ordre bien précis et qui ne doit pas changer, sinon ça n'est plus un tarot de Marseille.
Alors, cette affinité avec ce jeu, encore une fois, je l'ai appréhendé comme tout le monde, je crois, comme un support de voyance ou un support de divination. C'est comme ça qu'enfant, j'ai regardé ce jeu. La vérité historique, c'est que ça n'en est pas un. En tout cas, ça n'a pas été créé pour ça, puisque à l'époque où le tarot de Marseille apparaît, 1650, 1700, l'usage des cartes, quelles qu'elles soient, pour prédire l'avenir, n'était pas divinatoire. Le phénomène de la cartomancie, très tardif, hein, ça explose au 19e siècle. Et donc, le tarot de Marseille n'a pas été créé pour faire de la divination. Par contre, il s'y prête merveilleusement bien. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et depuis, on va dire, le 19e siècle, c'est vrai que, et notamment Paul Marteau, quand il conçoit cet ancien tarot de Marseille en 1930, il le fait clairement à l'intention des cartomanciens. Il le dit lui-même. Mais la volonté première des auteurs du tarot de Marseille n'était pas d'en faire un support de divination, mais déjà un jeu de cartes pour jouer, de jouer au tarot dans les bistrots, contre de l'argent et en picolant. Et puis, probablement aussi, ça c'est un peu contesté par les historiens, mais vraisemblablement quand même, pour porter un message sur les connaissances actuelles que l'on avait à l'époque sur l'homme, à la fois au sens individuel et collectif. C'est une sorte finalement de Bible en images. Alors je dis Bible pour faire une référence catholique, mais parce que évidemment que les images du tarot de Marseille, ça n'échappera à personne, ont une inspiration en tout cas chrétienne. Un pape, le jugement, référence au jugement dernier, le monde, la carte du monde, qui est quand même une carte qu'on peut retrouver dans des édifices religieux. Et donc, je pense qu'au-delà d'amener une connaissance par le biais de l'image à ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, ce qui est déjà quand même une belle entreprise, c'est certainement aussi un superbe outil d'investigation psychologique, d'introspection. Et aujourd'hui, en France, cet outil commence à apparaître. C'est encore un phénomène anecdotique, hein, mais commence à apparaître sur le bureau de certains psychanalystes, psychiatres, psychothérapeutes. Mais c'est déjà le cas depuis quelques décennies outre-Atlantique. Alors j'ai bricolé pas mal avec les oracles, dont les plus connus, hein, l'oracle G, l'oracle de Béline, incontournable, la triade, qui sont des jeux que je possède, que j'utilise parfois de manière comme ça pour m'amuser, j'ai envie de dire. Je les regarde de temps à autre. Certains sont vraiment intéressants. Enfin, les oracles vraiment intéressants, j'ai envie de dire, c'est les plus connus, hein, c'est ceux que je viens de citer, et notamment Béline, parce qu'ils ont une histoire. J'aime bien les images qui ont une histoire. Ça peut être quelque chose de réducteur par rapport à l'approche que j'attends de l'outil, c'est-à-dire que ça peut être enfermant, un oracle. Dans la mesure où vous prenez une carte dans un oracle qui s'appelle « Méchanceté », forcément, alors ok, on peut oublier le titre et puis prendre un peu de hauteur, mais pour autant, ça va être difficile d'y mettre de la lumière là-dedans. Alors qu'avec le tarot, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Ça n'existe pas, même si les gens vous diront que la maison Dieu, c'est terrible. En fait, non. Et quand on leur demande pourquoi, ben, ils vous disent c'est quand même une tour qui s'écroule. Mais en fait, c'est faux. Si on regarde, c'est partiellement faux. Si on regarde les vieux tarots de Marseille, il n'y a pas de tour qui s'écroule. Il y a une tour dont le toit se soulève. Aucune pierre n'est au sol, donc il n'y a pas de catastrophe. Des flammes sortent de la tour et montent vers le ciel. Contrairement au tarot plus tardif où la foudre s'abat sur une tour. Ça, c'est pas du tout la même chose. Donc là, on peut comprendre que si la
la foudre s'abat sur une tour, c'est pas bon signe. Mais historiquement, la foudre ne s'abat pas sur la maison de Dieu. Au contraire, les flammes montent vers le ciel. Donc c'est pas du tout le même message. Et puis on me dit les personnages tombent de la tour. J'ai vu personne tomber, hein. Je vois des personnages qui font des pirouettes ou des cabrioles qui jouent au pied d'une tour. Et toutes ces bulles pourraient être des ballons. En clair, ce que je veux vous dire, c'est que la maison de Dieu peut être aussi, pas toujours, mais peut être aussi une carte de joie, de fête. Et par analogie, le bouchon de la bouteille de champagne qui saute et avec toutes les bulles, ou pour reprendre encore Jodorowsky, l'effervescence de l'éjaculation masculine, c'est lui qui l'a dit par analogie. Voilà, donc c'est pas forcément triste. Alors, en consultation, effectivement, j'utilise toujours le tarot de Marseille. Je me suis rendu compte depuis quelques années que je pourrais faire partiellement sans, dans le sens où, justement, et là on revient à l'histoire de est-ce un don ou pas, dans le sens où, finalement, à force de pratiquer le tarot, et dans mon cas ça fait quelques décennies, on développe vraiment une intuition qui finit par devenir, je pense, en effet, une forme de voyance. Donc, et ça, ça reste en soi. Donc, effectivement, je perçois une multitude de choses avant même d'avoir retourné les premières cartes. Donc, en cela, on pourrait dire que je pourrais partiellement m'affranchir du tarot de Marseille. Mais par contre, il y a deux raisons pour lesquelles je tiens à le conserver. Au-delà du fait que c'est une grande histoire d'amour, le tarot et moi, c'est que, déjà d'une part, c'est quand même quelque chose qui valide mes ressentis, donc ça me rassure, tout simplement. Et surtout, c'est un effet très intéressant, alors ça n'est valable que lors des consultations en cabinet, parce que par téléphone, les gens ne voient pas les cartes, mais c'est un effet très intéressant en cabinet, puisque les gens voient les cartes, et en plus, c'est eux qui les ont choisies. Et ça devient extrêmement intéressant pour leur faire passer un message quand ils sont en proie au doute ou à l'angoisse. Parce que, bon, je vais caricaturer une situation courante, hein, c'est je suis seul depuis des années, vais-je rencontrer quelqu'un? Bon, question hautement douloureuse. Le voyant qui n'a pas de support et qui va finir par expliquer que oui, sans aucun doute, vous allez rencontrer quelqu'un dans les 6 mois qui viennent. Ok, la personne, si elle est venue chez vous, c'est qu'a priori elle a confiance en vous et elle va repartir avec l'intime conviction et probablement la foi que cette chose-là va arriver. Mais par contre, si je fais un tirage de tarot où la première carte va être l'impératrice, celle d'en face, l'empereur, déjà là ça forme un couple. En haut, tempérance. Et puis en bas, l'amoureux. Ça crève les yeux. Alors là, on pourrait se dire, c'est la synchronicité parfaite, mais pourtant, elle se produit à longueur de consultation. Et là, du coup, je ne peux pas m'empêcher de faire pivoter les cartes et de laisser la personne regarder. Et il n'y a pas besoin d'avoir étudié le tarot longtemps pour voir qu'un homme, une femme, qui se rapproche et qui s'aime. Et là, je pense que ça a un impact considérable dans le message qui est diffusé. C'est-à-dire que là, du coup, c'est plus moi qui le dis, plus moi seulement, en tout cas, mais les cartes parlent à la personne elle-même. Et là, vraiment, très clairement, ça fait un effet bœuf, pour dire les choses clairement. Donc, du coup, je pense que là, ça devient un outil particulièrement intéressant dans ce cadre-là. Alors, une consultation avec moi, ça se passe très simplement, hein, donc en moyenne, quel que soit le sujet ou la thématique abordée, ça va durer 1 heure. Alors dans un premier temps, je m'efforce, lorsque c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, donc quelqu'un qui vient me voir pour la première fois, je m'efforce, je me prête au jeu, un petit peu malgré moi, mais je dois le faire, de ce que je vais appeler, alors si j'étais caustique, je dirais un numéro de cirque. Mais bon, je ne vais pas être forcément caustique. Un coup de bluff,
C'est-à-dire que, bon, on sait bien dans ce métier-là que les gens qui viennent vers vous et qui donc attendent quand même de vous des dispositions autres que celles qu'on peut trouver même chez un très bon psy, ont quand même besoin de savoir que vous parvenez à sentir quelque chose, à capter quelque chose que tout le monde ne pourrait pas capter. Donc là, forcément, les 5 premières minutes, c'est un peu, je dirais, l'enjeu. Et c'est là que je pense l'essentiel de la consultation se joue. Je m'efforce de révéler des choses que je ne peux pas savoir. C'est l'accroche. C'est très clairement motivé par une volonté commerciale, hein. J'aimerais bien m'en dispenser, mais je peux comprendre aussi que l'autre a peut-être besoin de ça. Donc, je me prête au jeu. Et passer cette phase un petit peu, donc qu'on pourrait dire typiquement de voyance, eh bien, contrairement à ce qu'on peut, enfin, à ce que revendiquent beaucoup d'autres praticiens, avec moi on parle et je parle beaucoup, mais je veux que l'autre parle aussi. En clair, c'est un véritable échange. Et la partie devinette, au bout de 5 minutes, j'en ai marre. Et donc, voilà, les gens qui viennent vers moi, de toute façon, le savent, hein, je crois que mon site est suffisamment clair là-dessus. Et là, je veux qu'on ait un échange. Le problème de la partie devinette, c'est qu'on peut y passer l'heure. Hein. Pourquoi pas? Je l'ai fait, d'ailleurs, au début de ma pratique, pendant plusieurs années. C'est très fatigant. Et aujourd'hui, ça ne m'amuse plus. Donc forcément, je ne peux plus me forcer. Mais le point faible quand même de ça, c'est qu'inéluctablement, on risque de passer à côté de quelque chose, puisque l'autre ne dit jamais rien. Et peut-être même carrément ne pas répondre à sa question. Et au bout d'un moment, la question va tomber, puisqu'il va quand même dire, oui, mais enfin, je voulais quand même savoir, oui, mais puis là, on est à 50 minutes, alors je dis pas que je travaille à l'heure et que c'est 1 heure, mais enfin, ça y est, on a perdu du temps. Donc, alors que si dès le début, la personne m'aiguille et me renseigne sur vraiment ce qu'elle veut comprendre, appréhender, on gagne du temps. Et effectivement, c'est ce qui fait que du coup, je suis le voyant qui n'en est pas un, puisque très très rapidement, je switch du mode voyance au mode allez, consultant intuitif. Alors, je reçois à peu près toutes les catégories socio-professionnelles. Alors, si on parle du genre, au fil du temps, je me rends compte qu'il n'y a pas encore autant d'hommes que de femmes, mais en tout cas, de plus en plus d'hommes consultent. Ça, c'est flagrant. Même si les hommes qui consultent peut-être un petit peu plus pour des questions professionnelles, et les femmes peut-être un petit peu plus pour des questions d'ordre affectif. La tranche d'âge, enfin le gros noyau, on va dire la cible, si on voulait employer un terme commercial, on va dire c'est le quadrat. Maintenant, on va dire que de 25 à 77 ans, tout le monde passe dans le cabinet. Il semblerait que dans mon cas, les gens qui viennent me voir seraient plutôt d'un milieu social favorisé, avec des fonctions dans la vie professionnelle peut-être un petit peu privilégiées. C'est peut-être et sûrement même dû à mon approche et à ma manière de communiquer sur ma pratique, qui n'est pas forcément claire pour le tout venant. Beaucoup de scientifiques, ça c'est quelque chose qui flatte beaucoup mon ego, j'avoue. Ça c'est quelque chose qui me motive, à vrai dire. Beaucoup de scientifiques ou de gens qui ont une formation scientifique, c'est très très troublant ça. Mais encore une fois, c'est probablement dû à ma manière de faire et d'expliquer ma pratique. Mais les commerçants, beaucoup de commerçants, et beaucoup de gens du corps médical, infirmières, aides-soignantes, ça c'est un public que j'ai vraiment beaucoup en consultation. Mais finalement, un peu tout le monde. Alors des anecdotes de consultation ou de consultation qui se gravent dans ma mémoire, j'en ai une multitude. Alors, ce que j'ai observé, c'est qu'au fil du temps,
au fil des années, des dizaines d'années maintenant, je suis de moins en moins surpris par des situations. C'est-à-dire que finalement, on pourrait presque dire, c'est très prétentieux, mais j'ai tout vu et tout entendu. Mais c'est pas loin d'être vrai, puisque bon, l'histoire humaine ne fait que se répéter, hein, avec des variantes. Mais quand on a entendu les grands drames, les grandes douleurs de l'être humain, il arrive un moment, il n'y a plus vraiment de choses qui vous surprennent véritablement. C'est très troublant d'ailleurs, ça, en tant que thérapeute, parce que cette impression d'avoir fait le tour pourrait donner un côté blasé. J'ai eu cette phase, hein, de « mince, du coup, à quoi je vais servir ?» Et surtout, je reçois plus rien de nouveau. Enfin, ça m'a dérouté. Maintenant, il y a encore et toujours, heureusement, quelques surprises. Alors, mais c'est pas tout à fait votre question. Votre question, c'est des consultations qui m'auraient particulièrement marqué. Les consultations qui me marquent particulièrement, c'est soit celles dans lesquelles il y a vraiment quelque chose d'extrêmement dramatique et douloureux, et où je vais pouvoir vérifier avec le temps que j'ai été efficace. Ce n'est pas de l'ego, mais un peu quand même. Mais au moins, on se sent utile. Preuve à l'appui. Donc ça reste dans ma mémoire. Et puis, des consultations où les gens reviennent plusieurs années après, alors qu'ils n'étaient plus venus, en arrivant vraiment très excité, en me disant « il faut vraiment que je vous revoie, c'est extraordinaire ». Ce que vous m'aviez dit et qui était totalement invraisemblable et je ne l'avais absolument pas cru il y a quelques années en arrière vient de se produire. Et les gens là, on sent qu'ils sont vraiment dans une excitation, et ça, j'avoue que ça me touche beaucoup et ça me réconcilie justement avec ce que je refoule, c'est-à-dire ce rôle de voyant, puisque là, pour le coup, on est vraiment là-dedans. Et ça me rappelle que même si je dis que je ne le suis pas, je le suis quand même.